voyez le truc rouge ? Vous avez des franquises à patates, je viens de le voir passer, ça doit être un bon endroit. Ah, il y a les avions qui arrivent là-bas. On voit là-bas. Bleu, blanc, rouge. Et ils vont passer au-dessus de nous. Tiens, ils arrivent doucement, ils volent doucement. Cette année, c'est le bon ordre, les bleus, blancs, rouges. Attention, on va faire du bruit. Derrière, c'est bon, il y a des camions. Ça, devant, c'est un gros, hein. Alors ça je sais pas. Je sais pas tout. Tu vois Lily ? C'est un avion à Lily. Ça c'est du Rafale à droite. Ah c'est là celui qui a les ailes légèrement en bête. Ah non les trois, les quatre. Il a tout part de l'ondulation, mais là il part. Ça, c'est Rafale.
Grâce à qui docteur, tu vas pouvoir parler. Tu vois bien, Louis? Ça, c'est quoi ça? Des rafales. Ouais. Effectivement, ils vont pas vite du tout. Ils font exprès, sinon on les verrait pas. Allez là encore. Comme la patrouille de France. C'est les avions d'entraînement là. C'est quoi ça? Il y a les alpha-jets et les avions d'entraînement. C'est impossible. Ça, c'est ceux qu'on n'a pas réussi à vendre. Personne. Il y a la phobie, c'est pas les Canadiens qui terminent. Ils sont trop perfectionnés. Aucune seule fois, c'est les murs. Non, ils vont refaire. Parce qu'ils vont refaire. Ah, je ne me souvenais pas de ça. T'imagines? Louis, tu vois bien? Mais si ils se trompent une fois, ils ne se trompent pas tout le temps parce qu'il y a soit du blanc, soit une couleur. Donc s'il met du rouge, il y a soit du rouge, soit du bleu. Tu ne peux pas le pilote choisir le bleu ou le rouge. Ça, c'est sûr. Oui, sauf qu'il y a un des pilotes qui n'avait pas eu le bon produit dans son réservoir, mais il n'a que deux réservoirs. Et soit du blanc, ils étaient repassés l'année dernière. C'était une carte. Il y en a qui a les moteurs à l'arrière. Ça, c'est alors là, T'imagines un peu comment ils ont dû se flipper dessus? On va se faire bombarder. En plus, quand t'as la sirène. En plus, t'as la sirène. Ah, t'as la 400. Ah non, je me suis trompé. Oui, c'est là-bas. La 401. C'est là, mais... La 401. Moi, j'essaie d'enregistrer, c'est comme un sale. Je reste à côté de toi. Ah, tout au fond, ouais. Un problème. Je crois qu'il y a là, c'est son. Louis, tu ne perds pas de vue. Quoi? À l'arrière, c'est quoi? C'est pas ici. Enlève tes lunettes, Lou, il n'y a pas de soleil. C'est quoi ça? Tu verras la mieux. 400 le gros. C'est le plus gros français. La Lindette, c'est quoi là-dedans? Le plus gros avion militaire français. Elle est où ton. Bah, je vais donner à Lindette. Bah, attends, regarde ça, on les prend après. Regarde. C'est quoi l'avion au milieu? La 400 c'est le plus gros avion français, lui. Ouais. Oui, regarde. Encore un A400M et deux, bah, je crois que c'est encore aussi des armes de transport, mais je ne vois pas. Plus loin, là, c'est 1, 2, 3. ABC. Il y en a un réaction. Il y en a qui l'a que la fumée. Ça, c'est la combustion. Il y en a un autre. Parce qu'il y en a un qui. Le scratch. J'allais dire qu'il y a un réaction. T'as vu comment il est gros, Louis? Regarde. Vachement mieux. Ça, c'est le premier qui est en train. Tu veux redescendre? Pour une fois, la patrouille est. Nathan, pour une fois, tu peux. Il y a les pales, d'ailleurs, on est rentré. Ah, ça a rentré.
et toi à côté du transport de para. Je suis étonné. Ils vont nous arroser. Ça serait marrant avec le retard dans rouge. Quand tu auras le temps, on va du coup. Ah, Canadair. Au milieu, c'est Canadair. Ouais. Ah oui. Canadair au milieu, oui. Ah oui. Ah, oui. Ah, oui. T'as vu? Les champions français, ça te voltige. Mais à l'envers, c'est du milieu. Ah, c'est un belge. Les autres, ils vont. Il a fait son petit tour. Ah oui. Ah oh, mais je l'ai loupé, je pense. Parce qu'il volait à l'envers. Ah, celui du milieu était volé à l'envers. Il était à tout le long. Ouais. Oh, et il s'est retourné dessus, là. Ah, là, c'est fini. Les avions, c'est fini. Là, ils vont marcher. Maintenant, ils vont marcher pour faire le défilé à pied. Ok, c'est terminé pour l'instant. Ouais, c'est super. Et après, on va suivre la foule, en fait, si vous voulez aller voir le défilé à pied. Après, si vous êtes patiente, vous attendez les hélicos là, vous allez les voir, ils vont passer dans l'axe et puis après il y aura les trous papiers qui vont finir. Je pense qu'il va rester dans le coin. C'est les chevaux. Il y a les chevaux, il y a la gendarmerie, il y a des blindés aussi. Bah, je vais rester ici moi. Mais il faut être patient. Hein, c'est... Si vous avez pas envie de suivre la pluie, vous allez voir le défilé. Je vous conseille d'attendre ici pour vous finir. Et après, là, sur la rue de Boulogne. Les blindés, c'est pas ça, c'est ce que je voulais vous demander. Parce que souvent, ils tournent à la madeleine. Les derniers, ils sont passés là, mais. Ah, d'accord. On n'est pas dans leur tête, hein. C'est des militaires. On n'est pas dans leur tête. Parce qu'en fait, attends, là, c'est un mobiliste, il tourne. Bah, ils vont se séparer. Hein. Il y a ceux qui marchent, ils vont aller par là, et ceux qui roulent, ils vont aller par là. Puis les chevaux, peut-être, les chevaux, là. Oui, l'année dernière, ils s'étaient passés à Rivoli, où il y a la statue de Jeanne d'Arc, là. C'est pas... Non, bah, on les a vus. On avait attendu, mais parce qu'ils s'étaient mis dans les premiers, ils là, et après, ça se passe, il y a beaucoup de monde, et, ouais, et après, on va plus quand on est. Bon courage, hein. Merci.